Salvador Daly, 1904-1989. Les atavismes du crépuscule. Phénomène obsessif, 1933. Dans notre petit tableau de 1933, Salvador Daly se réfère à la célèbre peinture L'Angélus du peintre français Jean-François Millet. Cette œuvre réalisée en 1859 se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay à Paris. Selon ses propres propos, le jeune Salvador avait été très marqué par une reproduction de ce tableau accroché dans la maison de ses parents. L'œuvre originale présente un paysan et sa femme priant dans un champ pendant que les cloches de l'église à l'arrière-plan sonnent l'angélus. Le paysan a enfoncé sa fourche dans la terre, la femme a déposé sa brouette chargée de sacs. Ce tableau est emblématique de la piété rurale. Pour sa peinture, Dali reprend à son compte des personnages et des objets du tableau de Millet, mais en les intégrant dans une scène d'épouvante. Comme chez Millet, la scène baigne dans une lumière du soir au temps chaud, le champ fertile adoptant toutefois l'aspect d'un désert rocheux et les personnages jetant des ombres inquiétantes sur le sol. Le paysan s'est fait arracher le cœur de son corps et, défiant toute gravité, la brouette et les sacs poussent de sa tête mortuaire. Son bonnet est symbolique de l'érection masculine honteuse, suivant l'auto-interprétation de Dali. Le manche de la fourche, en revanche, est planté dans le bras de la femme en prière et dirigé vers l'arrière. Selon Dali, il représente le dard de la montre religieuse qui vide son mal de sa piqûre et le martyrise jusqu'à la mort. Le titre, Les atavismes du crépuscule, se réfère à un terme de biologie qui décrit la réapparition de comportements ou de particularités anatomiques que l'on croyait surmonter. Pour Dali, l'art est un moyen de démasquer la réalité extérieure grâce à des associations d'idées s'assimilant au rêve. Pendant la réalisation de notre tableau, L'artiste, né en 1904 à Figueres en Espagne, développe sa propre méthode paranoïaque critique, inspirée de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Introduit par son compatriote Johan Miro, Dali s'associe en 1929 au cercle parisien des surréalistes. Il devient l'un de leurs protagonistes les plus célèbres avec des tableaux d'horloges fondantes et de girafes en feu. Son coup de pinceau extrêmement précis rappelle les maîtres anciens et confère une crédibilité inquiétante aux éléments de ces tableaux. Notre tableau intégra la collection du Musée des beaux-arts de Berne en 1981 en tant que legs de George F. Keller, comme plusieurs autres œuvres de Dali. Ami de Dali, Keller exposa régulièrement ses œuvres au titre de négociant d'art à Paris et New York. Visitez le Musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales. Et téléchargez l'application gratuite Museen Berne dans le App Store.